Le projet sur lequel j'ai travaillé, j'ai eu l'opportunité de travailler à Iowa, se situe dans la continuité de mes travaux sur la construction et l'exercice de la sociologie dans des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin de l'année 1989, en fait, ont vécu les régimes communistes. Et là, en fait, ce qui constituait la préoccupation majeure de ce travail, c'était de comprendre comment et pourquoi la sociologie était possible dans des sociétés qui ne se prêtaient pas du tout à la production d'un savoir du social scientifique, c'est-à-dire qui correspondent aux règles de la méthode. Donc, et le projet sur lequel je travaille à l'IUA est lié à ces interrogations, mais il est d'une étendue et d'une focale différente. Le projet porte sur le développement des sciences sociales durant une période particulière de l'histoire contemporaine. Ce sont les années 60-90 du XXe siècle, qui font partie de la période de la guerre froide. Et ce vaste objet d'étude n'est vu quand même qu'à travers l'expérience d'un acteur particulier. Ce sont les chercheurs originaires de différents pays d'Afrique qui avaient fait des études tant dans l'Est communiste que dans l'Occident capitaliste, si j'utilise la terminologie de l'époque. Donc, pour accéder aux sciences sociales, je me situe du côté de celles et ceux qui ont appris, vécu et appliqué ces disciplines en sciences sociales à la croisée de réalités sociales différentes, c'est-à-dire au croisement des mondes africains, occidentaux et est-européens. Bon, pourquoi cet angle d'attaque spécifique des sciences sociales? Il y a plusieurs raisons, il y en a plusieurs raisons, mais je n'évoquerai que trois qui me semblent les plus importants. Tout d'abord, depuis une dizaine d'années, les sciences sociales sont dominées par une terminologie en vogue, celle de la science transnationale, globale, internationale, qui est devenue un fourre-tout, cachant finalement les problèmes de production de savoir en sciences sociales. Deuxièmement, aujourd'hui, on vit dans un temps de l'accélération des dynamiques fulgurantes de l'instantanéité. Et cette période des années 60-90 se trouve de plus en plus dans les oubliettes. Cette période est de plus en plus reléguée dans l'arrière-cour de l'histoire. Et je pense ne serait-ce que parce que il y avait tant de choix politiques, économiques et idéologiques qui ont échoué et pour lesquels les sciences sociales, quoique de façon indirecte, portent leur part de responsabilité. Bon, il y a une troisième raison qui se situe au niveau plus invisible. En fait, c'est qui concerne une facette souvent oublié de travail scientifique, de travail de chercheur, c'est le travail au quotidien. C'est le travail des chercheurs, c'est le travail ordinaire et quotidien des chercheurs ordinaires où tout est mis à l'épreuve. Les savoir-faire, les compétences, les repères, les convictions aussi. Et là, c'est si ça, il me semble que ce travail, cette expérience vraiment au quotidien n'est pas mise en valeur, et pourtant,
cette expérience, ce travail quotidien est un tessin vivo des limites tant d'une discipline scientifique que des gens, en fait, des chercheurs qui la pratiquent. Et là aussi, en fait, pour moi, les expériences biographiques des chercheurs originaires d'Afrique pourraient nous aider à saisir ce qui se passe dans les sciences sociales, parce que c'est eux qui étaient exposés beaucoup plus que les autres au cadre théorique épistémologique, méthodologique, opposé, et qui devait appliquer ces cadres à des réalités autres que celles où ces concepts étaient nés et utilisés.